Et là, voilà, et là, tu le fais dans le sens inverse. C'est-à-dire, tu dois le faire. Tu dois monter le truc le plus toxique possible. Non mais celle-là en version reggae, elle est trop énorme. En fait, tu te prends un peu de... Et comme t'es un sadique, tu le regardes crever. Oh, oh, il agonise comme un chien, regarde-moi ça. Ah, oui. Ah, je devrais faire une voix de psychopathe dans... Il y en a pas. Dans Ami. Si, c'est pas un jeu de psychopathe. Hein. Non mais dans Ami. Ouais. Y'a pas de voix de psychopathe dans Ami. Non. Mais ça fait chier, y'a que des voix normales. Bah dans le 1 en tout cas. Mais y'a pas... Mais en fait, l'île aux singes, y'a des singes au moins. Non. Y'a même pas une statue de singe. Si. Ah bah voilà. Avec une clé en forme de coton tige que tu vas lui mettre dans l'oreille pour voir si... Ah oui, tu me l'as montré. T'es vraiment un gros spoiler de merde. Ah si, t'as un singe à trois têtes. Ah bah oui. C'est celui qui a sorti la vidéo de présentation d'Elios. Ouais. Il rocks d'ailleurs le singe à trois têtes. Ouais. Il est fun comme perso. Il est putain de charismatique, tu le vois comme tu le fais dans le jeu. Ah putain, il a un passé de barjo, c'est un truc de taré. Ah bah voilà ça. Il s'est fait violer par ses trois pères. En fait, c'est pour ça qu'il a trois têtes, c'est... J'ai calqué. L'ADN de... Alors... Mais il est vivant le singe à trois têtes. Et il parle. Non. Non, tu lui parles, il se barre. Il sert à rien en fait, c'est pour déconner, c'est de l'humour. Ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin? Mais sans vouloir spoiler. Ah oui, c'est énorme! Ah oui, c'est là, une petite énigme qui est fun. Ouais. Il y avait un truc posé là, un truc jaune. Hein? Il y avait un truc jaune posé sur le. Ouais, mais c'est pas important, on s'en branle. Ok. On s'en branle de tout dans le jeu en fait. Sérieusement, tous les textes, ça c'est les textes. En fait, ce jeu c'est énigme dino quoi. Ouais. Même les textes on s'en rend, tu vois, à la limite les textes dans les villes sont un peu intéressants. Non, c'est rien du tout. C'est de la grosse. Oh putain, je suis en train de penser à l'anime que je suis en train de regarder en ce moment. C'est ouais. C'est vraiment énorme quoi. Peut-être dans le... Ce qu'on a, le Shonen Jump, ouais. Forcément. Bah, ouais, quand même. Tu sais, avant c'était Death Note le truc du moment quoi. Ouais. Bah là c'est ça quoi. Mais je préfère ça Death Note en plus. Ouais. Non mais sérieux, parce que c'est trop énorme, c'est trop bien fait. C'est quoi le code? Merde, quel bit! J'ai oublié de. 1, 2, 3, 4, 8. Attends, c'est quoi 1, 2, 3, 4, 8? Ah oui, Dailymotion 1, 2, 3, 4, 8. C'est ça. Je disais, c'est quoi? On en parle même pas assez. Ouais, je vais demander pourquoi j'avais ça dans la tête. 36, 95, ok. Ça, son numéro de téléphone, je vous le divulgue. Comme ça, tu vas avoir plein de fans qui vont te téléphoner, attention. Non, mais c'est sérieusement. Non, oh, je déconne pas, moi je dis ton numéro. Attends, eh, 36, 95. Non, mais je déconne pas, je le dis. Non, sérieusement. Eh, je te jure, je vais le censurer. Non, sans déconner. Si tu fais. Donc, okay, voilà le numéro de téléphone de. C'est flag. C'est bâtard, c'est bâtard. Oh, oui, regarde, tu vois, par exemple, la clé elle est comme ça. Je vais donner celui de quelqu'un d'autre, mais c'est un bâtard. C'est un truc de bâtard. Non, mais regarde. Ouais, ouais. T'as cette énigme là, en fait, tu vas. Faut essayer de refaire ce qu'il y a en dessous. Ouais. Tu prends un truc, il remet au-dessus. Ouais, facile. Oui, c'est putain de simple, regarde. Ah ouais, d'accord, je vois, ouais. Ah, merde. Mais non, t'es trop non, merde. Non, ouais, non, j'ai fait une connerie, là. T'es trop con. Non, ouais, non, c'est juste une connerie, en fait. Faut reprendre le truc d'en bas, du coup. Non, je fais ça. Non, mais c'est simple, ça, en fait. Ouais, regarde, hop. Voilà. Non, merde. Putain, j'ai fait de la merde, j'avais réussi. T'as rien compris, en fait. Si, j'ai compris. Sauf que j'ai appuyé au mauvais endroit, au mauvais moment, en fait. Je peux le faire. Mais c'est bon, je l'ai réussi. Putain, mais moi je joue pas depuis tout à l'heure. Je suis que raconter des conneries, regarder ton berry. Putain, d'ailleurs, j'ai laissé Pampa là, c'est du favoritisme, c'est un truc de bâtard. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais de la merde. Je peux pas le faire parce que là, tu fais trop de la merde quoi. Ah, carrément. Et il quitte et je recommence, je le fais. Tu vas voir qui c'est le pro. Trop tard, je l'ai fini. Non, t'es gouré. Non, mais je veux dire, regarde. Et hop là, voilà, magnifique. Tu t'as remis comme j'ai été au début. Bon bah non, tu peux le faire. C'est avec X. Attends, avant, vas-y, appuie. Non, là t'es toujours exit, voilà, vas-y. X, hein? X, vas-y, X. Et là je te laisse faire, je dis rien. Passe-moi ton béric, Pampa, comme ça, je regarde. Ah, tu fais pas le con avec. Non, je le regarde, il est parce qu'il est fragile. Hein. Oui, il est beau. Excellent. Bon, alors là c'est Mister Freeze qui joue. Tais-toi, c'est moi qui joue, je t'ai dit. Non, t'as vu sa belle crinière. Non, moi c'est moi qui joue là, donc attention, c'est un truc barge. Donc. Ouais, ok. Ensuite, un truc à deux, comme ça. Ouais, ensuite, ça.
Et pour finir, celui du bas, ouais, le dernier, voilà. Et c'est qui le pro? Là, c'est Mr. Freeze qui joue, hein, je vous le dis, c'est Mr. Freeze en direct. Mr. Freeze. Donc là, là, je l'ai bien éclaté. Writing data, voilà, complete. Non, mais attends, c'est qui? Les RPG, c'est pas des jeux de cons comme tes trucs de merde là, tes petites. Tes tarlouses. Regarde, regarde, non, regarde. Je sais pas. Ouais. Attends, attends, attends. Révélation. Best. Le mystère du. Le mystère du placard allumé. Ah, tu vois, c'est magnifique. Hein? Ah oui, non, ouais, d'accord. Un verrou, soumise, soumise. Ah, c'est le mot que j'ai retenu. Ok. Alors. Je sais pas ce que t'es sous. Voilà. Magnifique, hein? C'est quoi? Ça porte dossier? Ouais. R. Ah, Rockstar. C'était le signe de Rockstar, ce qu'on fait GTA. Non, je... Ouais. Rockstar. Non, parce qu'il se passe, il se passe rien. Vous pouvez lire, mais c'est inintéressant. Ouais, vous, bah faut être rapide hein, pour lire parce que vu à la vitesse où tu l'as passé. Ouais, bah le temps de mettre pause c'est trop chiant. Après, faut décaler un peu, petit peu vers la gauche, tout non, ça. Tu mets replay, repose. Après, tu tombes sur une connerie de que t'as dit, etc. Non, mais c'est chiant. Ah, bah de toute façon, tu peux cliquer partout sur la vidéo. Moi, des fois, on peut tomber sur une connerie que t'as dit. T'as dit. Je dis jamais de connerie, moi. Que t'as dit. Attends, je parle très bien français. Mais... Ah putain. Oh, on va passer par le couloir avec les deux qui se grillent la gueule contre les lasers. Sale anglophone. Là. Toi tu fais ton pro en français mais tu parles tout le temps anglais là. Tu te la pètes quand tu parles anglais, tu sais pas parler français toi. Oh. Tu te dénigres ton pays. Bah carrément. Moi aussi je m'entends. Regarde, oh, 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 oh. C'est dommage hein. Ils y ont cru hein. En fait, le jeu en fait, tout ce qui est bon c'est ça. C'est énorme. Ça nous fait bien triper. Je sais pas comment. Ah mais là tu l'envoies à vidéo gag la vidéo je te dis. Tu filmes, là tu gagnes. Tu gagnes quoi à vidéo gag déjà? Tu gagnes de la merde, 1000€. 1000€. Enfin pour une vidéo, mais en fait c'est trop con vidéo gag, tu fais une vidéo et tu... Mais non mais la plupart des vidéos de vidéo gag ça se casse la gueule comme de bêtisier américain. Ouais en plus, ce qui est bizarre c'est que comme par hasard le gars il filme le truc au bon moment. Oh oui alors L ça m'éclate. Et R, c'est left et right. Non oh, et putain là, t'es trop intelligent. C'est pour ça qu'il y a marqué L et R sur les trucs de PlayStation. Non mais ce que je veux dire c'est que sur les cartes il y a marqué L et R. Non non mais je viens de comprendre que pourquoi il y avait marqué L et R sur les trucs de PlayStation. C'est vrai. Ouais, je crois que c'était juste des lettres. Non, parce que tu sais, il y a certaines consoles, il y a marqué A, B, X et tout ça. Alors là, je crois que c'est juste des lettres au pif. Non, c'est left et right. Je savais même pas plus. D'ailleurs, c'est L3 et R3. Tu sais, quand t'appuies dessus. Ah, je sais. Mais pas sur la manette de PS1, je crois. Que non, sur la manette de PS1, tu peux appuyer dessus. Et PS1, PS2, c'est le même manette. Ouais. C'est trop abusé le truc. La PS3 aussi. Mais oui, c'est ça, c'est de l'évolution. À part ça qu'ils ont enlevé. Ah, c'est quoi qui a évolué dans les consoles? C'est les graphismes, disque dur. La PlayStation. Je sais pas si c'est à toi que je t'avais dit, mais sérieusement, c'est énorme. C'est pourquoi c'est énorme. C'est parce que c'est la seule console qui, quand elle passe à la suivante, ouais, enlève ses fonctionnalités au lieu de rajouter. C'est bah énorme. Non, qu'est-ce que tu racontes comme connerie la, console, la manette de PS3, ils ont enlevé la fonction vibrante. Ouais. Ouais. Comment tu peux espérer qu'une console marche si t'enlèves les fonctionnalités? Non, mais. Ouais, mais bon. Non, mais c'est totalement con. Alors, oui, alors ça je le connais. Ouais, enfin, quand même, ça a évolué. C'est Air Energy. Je sers de ball on. Non, c'est celui-là où faut enlever les colonnes. La troisième boule. Troisième boule de quoi? T'as pas remarqué, ça fait un truc, regarde. The third ball on. Hiro. Non, non. Hiro. Hiro, Xi. Hiroshima. Non, là c'est énergie parce que d'habitude ça fait E-N-E-R-G-Y. C'est tout. Non, mais c'est bien marqué The third ball. Ouais, mais on s'en mange pas ça le code. Et trois... énergie parce qu'on rentre dans le bureau du docteur Kirk. Ah, là on est à la fin du jeu déjà. Non. Non, là on a là on le truc ça va être. Ah le... là il va y avoir une putain de musique que j'ai. Ouais voilà c'est ça. Et une putain d'énigme aussi. Bien stressante. Enfin stressante parce que. Non d'ailleurs, là en fait on est en train de faire le passage du jeu avec le plus d'énigmes à la seconde en fait. À la minute. Eh mais je voulais savoir, tu peux pas augmenter le son là en fait. Si. Ouais mais bon, eux ils entendront pas plus fort. Si. Ah ouais bon. Ah si, ah non. Parce que ben c'est monté le son de l'ordinateur mais on pourrait quand même l'entendre. Ah, ah c'est ça qui fait chier. Pas changer le son. Ah ça fait trop... Ah putain c'est l'anime que je suis en train de regarder là, c'est obligé. Ça va là? Putain c'est quoi, c'est un portail temporel là ou quoi? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah t'es connerie. C'est comme ça que les... Oh le... C'est... Oh ça casse tout. Eh sérieux c'était trop fort. Ça casse tout. Quoi? Le truc putain de réaliste. Enfin, on réalise dinosaures, etc. Mais... Et là, ils te foutent un portail temporel en plein milieu du truc. Non, mais c'est pas en fait, c'est comme ça que les dinosaures. Ouais, on spoil, on s'en fout. De toute façon, le scénario il est pas intéressant. Ouais. Bah, dinosaures sont venus par là. Ça crée un portail temporel. Pour faire venir avec l'énergie et tout.
la énergie ou un truc dans ce genre là, on s'en fout. Et c'est comme ça que les dinosaures ils sont venus. Ah ok. Bah c'est tout. Mais il s'est pas fait buter lui. C'est ça qui est marrant. Ouais. Genre le dino il arrive, salut. Ah c'est toi qui a créé le passage, ok. Merci, sympa. Non, je vais pas le dire avec les phénixiens cette fois-là, je vais garder les... Donc là on va faire un petit quiz. Combien de poils... Ah, tri énergie, voilà. Combien de poils un pampa a-t-il sur la tête? 30 secondes.